Bien le bonsoir et bienvenue pour notre troisième, non, 13e, 13 ou 12, je sais même plus, épisode. Qu'est-ce que c'est? Et je sens que ça envoie déjà du lourd. Un amalgame de la magie folle, mise sur cœur runique. Ma parole, regardez cette chose. Oh, mais vas-y. Quand ça brille, il est vulnérable. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on se prend des monstres de fou? Allez! Putain, c'est quoi ce truc? Oh bordel! Maintenant, attaque! Allez! On y est presque! Les sources, mon frère, vite! Les sources! Les sources! Ça? Voilà. Merci! Un de fait! Ah ouais, mais ça va être chaud chaud chaud. Punaise. On reprend la vie. Attends, attends, je sais pas où il est. Ça c'est tellement chaud. Ok, restons à l'écart. Ah, on y est presque. On va prendre le soin là. Prendre le soin et même que dalle. C'est bon. Ok. C'est pas bon là? Bien joué! Encore quelques coups et ce sera bon. C'est bon. Eh ben dis donc. Encore un cadeau de Fimbalvetter, je suppose. La magie qui émane de chacun d'entre nous doit bien finir quelque part. Pouf! Alors celui-là était chaud, hein. Impressionnant, mais chaud. Alors, c'est par là-bas, visiblement. Entre l'épisode précédent et celui-là, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire des missions secondaires? Mais en fait, je peux pas. attends, c'est pas par là où je viens, moi. J'ai l'impression qu'il m'a mis un autre point. Suivre, bah non. C'est bizarre. Pourquoi il me dit d'aller en bas? Attends, j'ai une face suivre, frère. C'est bizarre. Mais ouais, du coup, je pouvais pas parce que en revenant en fait en arrière, le chemin était bloqué. La fourberie. Les normes se trouvent dans cette grotte devant nous. Et je vois un coffre. Attends, voilà. J'adore les coffres gratuits. Quand t'as 0,5, c'est plutôt cool. Ensuite. Encore ces démangeaisons. J'aime que des femmes me susurrent des mots à l'oreille, mais celles-ci sont particulièrement agaçantes. Es-tu conscient que tu parles beaucoup quand tu as peur? La peur? Sache que je suis tout au plus foncièrement inquiet. Et rompre la tension par l'humour est le devoir sacré de tout compagnon de voyage. Je t'en ficherai, moi, de la peur. On a tous le droit d'avoir peur, hein, Mimir. C'est normal. Attends. Ah non. Oh, ça serait très officiel. J'y rêvais. Oh, attends, c'est les portes qu'on avait dans le premier, ça. Du moins, ça y ressemble. Et oui. C'est bien ça. What? What? Baldur, écoute-moi, je t'en prie. Arrête! Pourquoi l'as-tu conduit ici? Vous n'êtes pas les bienvenus ici! Non! Baldur, reviens! Parle-moi!
Oh mais le monde. C'est pas possible. Mais le monde. Attends, mais calmez-vous. J'ai mis l'impression que c'est infini, non? Non? Je ne veux pas tout ça. Mimi. Simone. Attends, mon frère. Pourquoi tu ne t'es jamais dressé contre Dora? Mais je l'ai fait. J'ai fait tout mon possible pour l'arrêter. Ne me montre pas. Oh, tu as une Valkyrie. Du jour où tu l'as connu, au jour où il t'a scellé dans cette arme. Tu cherchais sa faveur. Tu planifiais ses guerres. Tu le regardais, s'en prend à tous et à tous autres. Et tu n'as pas dénié lever le petit doigt jusqu'à ce qu'il s'en prenne à toi. Je sais, Sigrun, tout ce que tu dis est vrai, mais par amour pour toi, je suis devenu un homme. Je ne conseillais pas si tu es un ami de tout seul. Étais-tu la nuit de Freya lorsqu'elle souffrait de Scathie, de Brun ou de Titania? Non. Tu as toujours été du côté des hommes de pouvoir qui les interdisaient. Même aujourd'hui, tu crois un dieu brutal en détresse. Et tu ne peux t'empêcher de l'aider et de l'appeler ton frère. C'est ta nature profonde. Ainsi tu es. Et ainsi tu seras. Ce n'est pas elle. Non. Bien sûr. Tu as fait ce qu'il fallait. Mon frère, l'arme, il m'a tué. Mimir. Doudou, aide-moi. C'est un monstre. Atreus, j'arrive. C'est pas possible. Pourquoi ne pas faire confiance à ton fils? Ne le laisse pas mourir. Atreus. J'ai peur. Bah viens m'aider en même temps. Pourquoi refuser de le voir? J'aimerais être vivant. Je peux pas y retourner. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. C'était ce que j'ai eu à faire. Et maintenant, je l'ai conquis. Il a tué sa famille. Atreus. Non mais ça suffit. Ça suffit. C'est un dieu sacré. C'est bon. Vous avez eu votre compte. D'avoir réussi. Je vois que la porte a disparu. Ou elle n'a jamais été là. Elle joue encore avec nous. En tout cas, lui, il n'a pas trop survécu. Hein. Qu'est-ce que c'est? Une kelpie. Il est rare d'en voir dans ces contrées. Elle doit leur appartenir. Nous mènera-t-elle à elle? Je vais lui demander, gentiment. Tout doux, ma belle, tout doux. C'est ça. Oui. Souhaites-tu parler de ce que t'ont fait subir les normes? Non. Et moi? Montez. Gentil, Sissi. Des créatures adorables, mais au tempérament capricieux.
D'où je viens? On disait aux enfants qu'une kelpie les ignorait s'ils s'approchaient des loques. Bien sûr, aucune kelpie ne ferait une chose pareille. À moins qu'on l'ait d'abord insultée. Elle marche sur l'eau. Oui. Il n'existe pas ce genre de destrier marin en Grèce, mon frère? Il y avait des hippocampes, serviteurs du dieu des océans. J'en ai affronté un sur un titan. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. Alors là, ce passage était assez incroyable. Nous y voilà. L'antre du destin. J'ai toujours su qu'on y arriverait. J'appellerais plutôt ça l'antre de la bête. Kratos, Freya et la tête de Mimir. Pénètre dans le foyer des Nornes, d'un pas hésitant. Ils sont enfin arrivés à destination. Kratos parle le premier. Je cherche mon fils. Tu sais que le garçon se trouve à Asgard. Non, tu cherches. Ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent. Tu veux connaître la fin de ton histoire? Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant. Il résiste à la tentation de grogner. Oh, il cède. Vous venez à nous, piètres archétypes, pour vous libérer de vos rôles comme si... Connaître vos répliques vous permettait d'en changer les mots. Parle sans détour. Tu mourras, Kratos de Sparte. Mais vous l'avez appelé destructeur du destin. Il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée. La destinée n'existe pas, Farfadet. Les protagonistes restent quoi? Ils ne comprennent pas. Il n'existe pas de dessein suprême, il n'existe aucun rôle, il n'existe que des choix. Que les vôtres soient si prévisibles nous ferait presque passer pour devineresses. Quand mon fils est né, taisez-vous! Votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement. Et c'est arrivé. Parce que tu n'as pas su le laisser partir, parce qu'il avait soif de vengeance, et parce que tu tues des dieux. Mais ce qu'a fait Kratos, ce n'était pas par haine. Oh, devrais-je donc lui donner une couronne? Il continue d'éliminer des dieux, mais il n'y prend plus aucun plaisir. Vous êtes la somme de vos choix, rien de plus. Et puisque les tiens sont immuables, tu apprendras qu'Emdal compte tuer ton fils à Asgard. Et tu feras ce que tu sais faire de mieux. Puis le Ragnarok viendra. Le ciel s'embrase, le rideau tombe. Exeunt omnes. Emdal. Une fois de plus, il se méprend. Privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion. C'est une erreur fréquente de narration. Nous partons. Il s'éloigne, suivi de près par Freya. J'ai apprécié ton histoire, Kratos. Dommage qu'elle se termine si vite. Voilà qui était instructif. J'ai envie de leur balancer mon marteau dans la gueule. Enfin, ma hache plutôt. Dégoûté. Je sais pas où je vais, moi. Quittons cet endroit. Avec plaisir.
ça. Je sens déjà les choses revenir à la normale. Attendez. Cet arbre. Voilà qui est curieux. Qu'est-ce que c'est? Un nœud coulant, mon frère. Celui-là même auquel Odin s'est pendu. L'une des étapes de sa folle et interminable quête des secrets de la vie, la mort et que sais-je encore. Qu'est-ce que tu fais? C'est un objet particulièrement important aux yeux d'Odin. Je lui trouverai peut-être une utilité. Mon frère, ce qu'elles ont dit au sujet du garçon... n'arrivera pas. Oh, je suis d'accord. Cela n'arrivera pas. Nous l'empêcherons. Évidemment que nous l'empêcherons. La question est de savoir comment. Tu n'envisages sérieusement pas de tuer Heimdall, j'espère. Je ferai ce que je dois faire. Ah, c'est donc ça. Tu aurais tort de l'en dissuader, Mimir. Tu connais Heimdall. Je te l'accorde. Ce fumier est horriblement vicieux. Et fidèle au point qu'Odin lui a confié le Gjallarhorn. Si nous avons la possibilité de l'éliminer avant le Ragnarok, alors n'hésitons pas. Avec son don de clairvoyance, que cette possibilité se présente est déjà plus qu'incertain. Écoute, on peut essayer. Ça coûte rien d'essayer. Faut que j'aille où, moi? Ah. À supposer que nous soyons tous parfaitement à l'aise avec cette idée d'assassinat, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, nous n'avons pas les moyens d'atteindre Heimdall, et encore moins ceux de le tuer. J'ai tué des dieux plus puissants que lui. Je n'en doute pas, mon frère, mais là n'est pas la question. Oh, j'ai loupé un coffre. Tant pis. Ah, oh, attends. Il y a peut-être moins... Ah, oh, bah tiens. J'ai peut-être loupé l'autre, mais celui-là... il est en ma position. Je vois quelque chose. J'arrive. Qu'est-ce que tu vois? Ah oui. Eh ben attends. On peut aller là. Ouais, ben attends. Laisse-moi juste aller jeter un coup d'œil. Ah mais ça c'est là où on vient. Ok bon. Tant pis. J'ai fait tout cela pour rien. Attends, faut juste pas que je me trompe de chemin. Et ensuite, on avait dit ici. En soi, tu peux descendre. J'arrive. Je suis là. Je crois que nous passons à côté du message des normes. Nous avons chacun nos penchants. Le tien consiste à foncer tête baissée vers le danger pour protéger ce que tu aimes. Je n'ai pas l'intention de changer. Pas sur ce point. Pourquoi le ferais-tu? Mon penchant consiste apparemment à tuer ce que j'aime. Freya. Je n'ai pas besoin de ton réconfort. Ni du tien, Mimir. Leurs accusations étaient cruelles. Aucun de nous ne croit... La vérité est parfois cruelle. Allez-vous me contredire là-dessus? Non. Mais le destin de Baldur avait plusieurs causes, dont la prophétie. Que veux-tu dire, mon frère? Les histoires de mon pays sont pleines de héros accomplissant des prophéties en tentant de les empêcher. Comme Freya, lorsqu'elle a voulu protéger Baldur. Et comme moi, lorsque j'ai accusé mon fils d'être allé à Asgard. Nous sommes donc d'accord. S'en prendre à Heimdall serait stupide. Non. Si Heimdall doit mourir pour qu'Atreus vive, alors Heimdall mourra. Comment peux-tu dire ça en sachant ce que tu sais? Si Heimdall représente un danger pour mon fils, je dois agir. C'est dans mon... dans ta nature. Bien joué, les normes. Merde. Pas moyen que je reparte en arrière, là? Si, attends. Il y a un coffre, j'aimerais bien aller choper le coffre, mais comment? Attends, j'ai une idée. J'ai une petite idée. Nice. Mais bon, je sais toujours pas comment déchiffrer le code, le coffre ici. Hein. Je vais pas dégoûter parce qu'il y a quand même des trucs assez importants dans ces coffres-là. Tant pis. Trouvons un accès mystique. Rentrons à la maison pour établir un plan. Thank you.
Écoute, mon frère, avant de prendre une décision hâtive, que dirais-tu de te défouler un peu? Je suis convaincu que nous avions d'autres choses à faire. Laisse à ton esprit le temps de faire le point sur la situation. Je crois bien qu'il nous reste des affaires à régler au Formula. Cela dit, je ne serais pas contre passer un peu de temps ailleurs qu'à Midgard. Laisse-moi un moment, tu vas juste redécouter côté compétences, là. Pas mal de trucs. Pas mal de nouveaux trucs en plus. Tiens, des flèches runiques supplémentaires, ouais, mon bof. Ouais, ça c'est plutôt pas mal, elle devient un peu plus agressive. Mais c'est pas ça que je voulais voir. Attends. Sors de là, va sur la carte. À la limite. Ouais. La malédiction de Singrou là, ou je sais pas trop comment il s'appelle. À la limite, on peut faire ça. Vas-y. Pourquoi pas? Histoire de faire une mission secondaire. À chaque fois, je dis qu'on en fera une, et au final, on n'en fait jamais. Par contre, attendez-moi juste, c'est lequel? Mais celle-ci est intacte. Oui. Et avec une serrure taillée pour la poignée que nous avons trouvée, comme je le craignais. Attends, là. Le scénario est juste à côté, là. Non? 146. Ah non. Une claire gelée? Mon combat avec Thor s'est achevé là. Tu as atterri ici. Ça explique les morceaux de la statue de Tyr éparpillés sur le lac. Ouais. C'est à gauche. Alors je sais bien que les missions secondaires sont peut-être pas aussi passionnantes que la mission principale, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant de les faire quand on arrive à les trouver. Putain, mais je vais devenir fou. C'est où? C'est là-dedans? Bah non. Attends, alors. Un truc de fou là. Il y avait ça pourtant. On est où nous? On est là. C'est bien là-dedans. En quoi c'est forcément par là-bas? Je vois pas d'autre chemin en fait. On va aller voir. Mais je crois que c'est en bas, non? Ouais, je pense que c'est en bas. Au pire, si jamais on trouve pas, on retournera sur la quête principale. De toute façon, il y a un accès mystique, donc au pire, si on voit que c'est trop galère, on repartira. Allez, on y est. Un autre camp de maraudeurs de pôle. Kratos. Nous devrions nous occuper d'eux. Yes. Ah oui, par contre là ils sont beaucoup plus nombreux. Attends juste, confirme-moi juste que c'est bien là. Ouais, c'est bien là. Ok. Bon. On est parti. Oh punaise. Allez. J'ai pas fait attention, par contre notre vie, elle est pas non plus incroyable. Ok. Esquive. Ah mais attends, je suis bloqué. Oh non mais. Du coup, on a loupé notre coche là. Allez, on enchaîne. Yes. Putain, comment on les enchaîne de ouf. Waouh. On prend un peu de vie. Ok.
c'est bon. Nous les avons tous eus. Oh, ça va, c'est plutôt simple. Hein. On va pas se le cacher. C'est même très simple. Il y a encore un coffre ici. Parfait. De l'argent. Là aussi. Là. Potentiellement de l'argent. 90. Puis du coup, il y a un coffre comme ça. Oh, attends. Ah, attends, c'est plutôt ça, non? Ouais. Ok. Par contre, je sais toujours pas comment on fait pour allumer ce truc. Non, on repasse là-dessus. Pareil, un peu loin. C'est trop bizarre. Ah ah. Donc du coup ça en fait un. La question c'est où sont les autres. Oh attends, il y a plein de trucs ici. Pour le coup, j'ai aucune idée d'où sont les autres. Là il n'y a rien, au plafond il y a que dalle. Ils doivent être à côté, mais où? C'est trop bizarre. Bon, après tu me diras, on a eu ce qu'on voulait, mais... Ça me paraît juste un peu bizarre. Là, on est d'accord qu'il y en a un seul. Là, on peut rien faire. Ah, attends. Par contre, comment est-ce qu'on faisait déjà avec ça? Non. Oh merde, mais on n'a pas de quoi, je pense. Ouais. Ah, c'est dommage. Ouais, on pourra pas. Mince. Bon bah tant pis. Au moins on aura essayé. Faudra pas dire que je fais jamais des trucs annexes parce que là pour le goût on l'a fait et ça a pas très bien marché. Les pauvres, elles sentent encore le danger. Les loups craignent ce qui ne peut plus leur faire de mal. Les horreurs du passé restent parfois ancrées dans le présent. Bien placé pour le savoir. Ouais, je suis assez d'accord. Je me demande si on peut rentrer là-dedans, là, dans les tours qui sont ici. Pas possible en vrai. Oula. Oh, attends. Y'a quoi ici? Non mais non! Non! C'est bon. Oh! Ça? Écoute, c'est sur notre passage, autant les faire. Hein. Je les fais presque jamais en plus. De toute façon, ça va péter. Oh mais... Bon, finis-le, hein. Sont franchement pas très fut-fut. Putain. Y'en a. Ah bah c'est bon, il est mort. Vas-y. Finis-le aussi. Il reste plus que lui, je pense.
Yes. Ah non. Encore lui. Là c'est bon. 3 sur 4 du coup. Il n'en reste plus qu'une mission annexe ici. C'est plutôt cool. Nice. Hein? Carte au trésor. Comment c'est? D'accord. C'est tout? Il n'y a pas d'autres coffres cachés? Non? Apparemment non. Je suis là. J'en ai assez de ton manque d'empathie, de tes propres bêtes. C'est Demos, n'est-ce pas, mon frère? J'ai eu tort de te parler de Demos. Tu te retrouves dans ces louves, dans leur peur. Ne restons pas là. Alors, je vais juste voir s'il n'y aurait pas une amélioration. De bonnes nouvelles? Non. Ah, l'achat d'un objet hors de prix te changera peut-être les idées? Waouh. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Par contre, c'est pas non plus dingo, hein. On va pas se le cacher. Enfin, si, c'est très bien, mais la vitalité, on retombe à zéro, quoi. Ça qui me frustre un peu. Arborer fièrement. Attends, on peut peut-être tout changer en vrai. On peut prendre ça. On perd la défense. Voilà, on peut prendre ça. Ouais, mais non, il me faut de la vitalité. Pas le choix. Ah, c'est peut-être ma plus belle pièce du jour. On peut prendre ça à la limite. Vitalité plus 18, défense plus 10. Par contre, on perd de la force. Est-ce que tout va bien? Je cherche. Laisse-moi zoom. Vas-y, on va prendre ça. Tant pis. Et cette fois, ne va pas me l'éclabousser, hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Attends. Ok. Je vais désinfecter mes outils. On va passer ça éventuellement niveau 4. Oh la hache. Les lames, est-ce qu'on a... Oh, on a plus beaucoup. Oh, on a plus rien. Ah, c'est dommage. Éventuellement, est-ce que je peux vendre quelque chose? Vas-y, autant vendre tout ça. Hein. Franchement. C'est, désinfecté ? Oh, c'est rien, je vais le faire. Et en parfait état, en plus. On s'en fiche un peu des poèmes. Ça appartenait à l'un des rebelles, n'est-ce pas ? Un cimier fan ? Jolie prise. Ouais, j'y sais. Je fais chauffer la forge. Au niveau des lames, du coup. Tout va bien ? Ou. Tu réfléchis ? Ouais, ouais, je réfléchis, je regarde. Ouais, vas-y, on va prendre ça. Côté bouclier, est-ce que j'ai assez? Ouais, mais non, j'ai plus rien. Ok. Prends soin tant pis. De ton armure et elle prendra soin de toi. Bien sûr. Ah ouais, le soin là, on est pas mal. Hein. La barre de vie, monstrueuse. Alors, du coup, on peut toujours pas aller à Asgard, hein. Non. C'est parti. Parle-moi du pouvoir d'Emdal. Il peut lire l'avenir. C'est plutôt qu'il peut lire les gens, voir leurs intentions. Mon intention sera de le tuer. Le savoir ne lui sera d'aucune aide. Tu ne peux pas te permettre de le sous-estimer, mon frère. Quelles que soient tes attaques, il les aura vu venir. Si tu dois l'affronter, il nous faudra autre chose. Un atout. D'accord? D'accord. Nous demanderons aux nains. Ah! Demandons aux nains. J'aurais dû m'y attendre. Toujours demander aux nains. La rituelle de... Mon brave, puis-je te demander un instant? Vas-y. Que va-t-on faire? J'ai appris que Nithog avait été tué. Et que par conséquent, sa progéniture s'était dispersée dans les 9 royaumes. Et alors?
Malheureusement, sans figure parentale pour les éduquer, ces petites terreurs vont inévitablement se faire corrompre. Avec le temps, cette corruption pourrait tout simplement les conduire à dévorer les 9 royaumes tout entiers. Afin d'éviter ce sort tragique, j'aimerais que tu m'apportes les Lindworms. Je me crois en mesure d'assumer le rôle de figure paternelle et de pourvoir à leur éducation. Tu trouveras ces chenapans qui grignotent des brèches à travers les royaumes. Utilise ce dispositif pour les capturer et me les rapporter. Tes efforts seront récompensés. Tu veux dire que tu les élèverais toi-même ? Exact. J'ai une grande expérience en matière de personnalité difficile. Comparé à ma lutte avec mes émotions au sens le plus strict du terme, je pense que l'élevage d'une poignée de Lindworm sera un jeu d'enfant. Enfin, y a-t-il autre chose dont vous souhaitiez me parler ? À propos de Nithog, il faut que tu saches que nous n'avions pas le choix. C'est Odin le responsable. Oh, je me doute bien que le père de tout a eu un rôle à jouer dans cette tragédie. Hélas, on ne peut pas lui demander de corriger ses dérives. Tous les dieux n'ont pas ton appétence à rattraper leurs erreurs du passé. Bien, récupère le dispositif de capture et pars en quête de nos Lindworm disparus. À une prochaine fois, mes amis. Oh, il s'énerve pas. C'est pas drôle. C'était plus drôle la dernière fois. Vous êtes rentrés. Ils sont rentrés. Calme-toi. Je les vois. En même temps, on vous a croisé à genre 5 minutes. Ah, on peut prendre ça en vrai. Plus de runes. Vas-y, hein. Quel écoute. Plaisir de travailler sur elle. Tant qu'à faire. Et là, on a rien, hein. Ouais. Faire une flèche juste côté bouclier, je m'en souviens plus. De toute façon, on a plus d'argent, donc. Dans tous les cas, on n'ira pas bien loin. Particulier on va prendre ça. Ok. J'ai du nouveau. Oh, les Nornes t'ont-elles dit comment récupérer Atreus ? Quel est le plan ? Les Nornes m'ont dit qu'Emdal tuerait Atreus. Le plan, c'est qu'Emdal meurt le premier. Oh, waouh, d'accord. Emdal, voyons voir. Ne perds jamais, vois tout ce qui arrive, n'est pas un rigolo, ça sera pas facile. Quels que soient ses avantages, je le surpasserai à l'aide des miens. C'est ça ! Tu vas devoir surmener ses sens, hein ? J'ai justement une idée qui devrait t'y aider. Sindri, va chercher Dropnir. Dropnir ? Mais on en a besoin, nos réserves. Bon, on a ce qu'il faut, et plus encore. Et puis Dropnir n'est pas une arme. Pourquoi un... Oh, tu veux l'associer à... T'as tout compris. Ensuite, quand il... Ça fera... Ah, c'est drôlement brillant. Très bien. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que... d'aller chercher Dropnir. Bah vas-y. Non, je sais pas. Dropnir. J'étais sûr que c'était les nains qui l'avaient. Et Odin me reprochait sa disparition. Ils ont volé Dropnir. On n'a rien volé du tout. On a repris un cadeau qu'on n'aurait jamais dû faire en premier lieu. Comment va-t-il m'aider à tuer Emdal ? Ne t'en fais pas pour ça. Ce sera une surprise. C'est notre domaine. Mais rien que pour garder Dropnir, il faut... Oui, tu disais ? Passage secret. Eh oui. Donc maintenant, tu veux tuer Emdal ? La violence engendre la violence, Kratos. Je pensais vraiment que tu l'avais compris. Je me moque de ce que tu pensais. Mon fils est en danger. Attends, on va vraiment jouer Sindri là ? Non. Attends, mais c'est incroyable, c'est un jeu Sindri. What? On est où?
tu vas me manquer, mon petit. Je l'ai. Je crois. Tu disais ne pas croire au destin. Nous sommes tous inquiets pour ton fils, mais nous... Assez. Emdahl est dangereux, non seulement pour Atreus, mais pour nous tous. Il est l'homme d'Odin, et il porte la corne qui lance le Ragnarok. Si nous avons une chance de l'éliminer, nous... Cela peut aussi bien être un piège, car ce fumier connaît tes intentions. Kratos, je n'ai jamais vu qui que ce soit poser la main sur lui. Jamais. Bon, j'ai rassemblé tout ce dont j'avais besoin. Combien de temps faudra-t-il ? Il faut aller à Svartalfheim récupérer le reste du matériel. Sans oublier une visite à... la dame. Oh, ouf, quel soulagement. Oh, Kratos, c'est quand tu veux. Ils sont bizarres, ça va. Je n'en sais pas plus que toi, mon frère. Je réalise tout juste quelle petite routine j'ai fini par adopter à force de m'occuper de Dropnir. Ah, fondre des anneaux pour forger de l'or me manquera. Enfin, j'imagine qu'il nous en reste assez pour tenir jusqu'au Ragnarok. C'est de mauvais goût. Bah vous en aviez assez, hein, des bagues. Est-ce qu'on peut parler à Tyr par hasard ? Je suis prête, c'est quand tu veux. Pas du tout. J'arrive, j'arrive. Allons-y. À plus tard. À plus en bus. Donc faut aller à Svartalfheim. Je sais même plus où c'est. Il y a tellement de royaumes. Il est temps d'aller voir la dame. Bon, je prends le relais. Oh que non ! Tout ça, c'était mon idée. C'est moi qui parlerai à la dame. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler à la dame. Pour de très bonnes raisons. Brock nous accompagne. Quoi ? Non, 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 non. Tu l'as entendu ? Te fais pas de bile. Je causerai pas de problème. Chacun son tour. Qu'est-ce que... Ah, foutu nabo. Vous croyez que ça va nous retenir ? Vous allez voir si ça me retient. Il est trop fort. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh, juste Sindri qui cherche à accaparer toute la gloire. Pour changer... Pas ça. L'accès. Qu'est-ce qui clochait avec l'accès ? Je suis sûr que quelqu'un a dû trafiquer la machinerie depuis Nissavellir. C'est sûrement à cause de toutes vos petites incursions, d'ailleurs. Mais c'est pas la peine de se prendre la tête. Le vieux Brock a de la ressource. J'ai d'autres moyens d'aller et venir. De vieux accès qu'ils penseraient même pas à chercher. Parce que c'est des abrutis. Ou alors t'as rien du tout en fait. Alors c'était où déjà, Svartalfheim ? C'est là que vous descendez. Une galerie de service abandonnée. Accès direct au camp de forge. Je vous retrouve là-bas. Allez ! Brock. Envolé. Es-tu sûr d'avoir fait le bon choix, mon frère ? Je lui fais confiance. Il parle sans détour. Mais avec tant d'images. Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. Oh. Voilà une surface inhabituelle. Elle fait, je pense. J'ai pas trop compris ce qu'on a cassé, mais ok. Écoute. Et de l'argent. C'est l'essentiel. Attends, mais juste, on est où là exactement? Ok, on est revenu chez les nains, si je me trompe pas. Je pense. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, c'est ce truc? Pas du tout. En tout cas, c'est très très bien décoré. Ils sont...
À chaque fois, je pense que je peux dégommer les trucs et en fait, pas du tout. Non, attends, c'est pas. C'est plutôt avec ça. Non, voilà. Continuons à coopérer ainsi et peut-être Asgard qui brûlera un jour. Ce n'est pas ce que je souhaite. Le destin n'a que faire de nos souhaits. Qu'est-ce que tu insinues, Altesse ? Rien du tout. Eh ben, c'est. Mais pourquoi venir se cacher ici ? Il y avait quelque chose dans ces tunnels qu'il craignait plus que la faim. Ça n'est pas très rationnel. La peur l'est rarement. Bah ben, en fait, c'est même pas le bon chemin. Ok. C'est par où, du coup ? Tiens donc, une galerie pleine d'alcool et d'explosifs. Voilà qui résume plutôt bien la culture naine. Brimer une culture qu'on a participé à saper, typique des As. Bon, ça faisait longtemps, tiens. Des petits monstres. Vas-y, viens là. Ok. Je comprends mieux pourquoi cette galerie de service est abandonnée. Moi, je comprends pas trop, mais. Attends, maintenant j'ai un doute si on est chez les nains, parce que ça, il n'y avait pas ça chez les nains. Qui c'est ? Attends. Bon, laisse tomber. Prudence, ça m'a l'air inflammable. Ok. Oh, attends. Non. Oula. L'essence au sol. Reste pas ici. Il y a encore des vieilles bêtes. C'est bon. Elle est aussi, c'est bon. Voilà. Pas mal de coffres. Et pas mal d'argent. C'est ça le principal. Si je fais ça. Comment péter ce truc? Attends. Maintenez L2 plus R1. Bah, ça va pas très bien. Ça n'a pas vraiment l'air de marcher. Ah bah si, c'est bon. Ok. Ah, une fuite d'huile providentielle. C'est juste moi en fait. Je m'y prenais mal. Eh bah c'est que c'est long hein, par ici. Il y a encore des monstres. C'est plutôt l'âge que tu veux, toi. Hein. Ouais, il préfère la hache ici. En plus, on l'a bien amélioré. Attends. Non, mais. Chaque fois, je me trompe. Ouais. Toi, t'es fini. Let's go. T'as coupé en 15. Ouais. J'arrive. Laisse-moi prendre la place. Pas parler à la dame. Surtout pas. Non, ne me redemande pas. Mais. Oh non. Ah. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Il va faire une connerie. Ce n'est pas de sa faute si Atreus est parti. Tu sais. Ou bien, n'es-tu que le champion de Brock ? Ah, tu vois, tu insinues encore et tu le sais.
L'homme le plus intelligent qui soit ne comprend donc pas. Les géants taisent l'existence d'un personnage mystérieux altérant le destin du Ragnarok. Et tu ne reconnais pas le seul prétendant rationnel. Celui qui est parti en guerre contre les dieux et qui a gagné. Je ne suis pas leur champion. Eh bien, nos opinions sur le sujet diffèrent. Comment on est censé... Ce genre de rouage s'accompagne généralement d'une chaîne. Ouais... Les flèches sigillaires devraient fonctionner malgré la glace. Ah, attends. Non, celle-ci plutôt là. Ouais. Mais j'ai toujours pas l'angle en fait que je veux. Attends, si je recule encore un peu. On y est presque là, mais... Si j'essaie une fois de ce côté... Oh, je sais pas, laisse tomber. Regarde, là-bas. J'arrive, j'arrive. Oula. Oh la vache. Tu sens l'énorme explosion là? Attends. Il y a un coffre. Qu'y a-t-il dedans? Oh là là. C'est à chaque fois des trucs que j'aime pas. comment je suis censé passer? Attends. C'est bizarre. Ah mais ok, c'est par là. Oh là là. Semble lié. Essaie de briser cette fixation au loin. Attends mais comment? Ouais bah oui, là ça peut pas passer. Appuyez sur le 2 tout en maintenant la chaîne. Ouais mais ça j'avais bien compris. Ouais, mais c'est impossible. Si? Si je relâche. Ouais, mais... Possible. Ah, attends, quoi que. Non. Putain, mais... Oh non. Oh, je sens que je vais galérer. Oh, attends. Ah non, mais il n'y a pas assez de... Ok. Vas-y, relance ça là-dessus. Je comprends pas là. Sinon... What? Sinon tu lances... Admettons... Non mais pas là. Oh... Le truc c'est que... Je veux bien mais... Attends. J'ai envie de tester un truc. Voilà. Ensuite. Comme ça. Sur les objets pour prolonger les effets. Ouais. Ouais, mais là, c'est pas le truc à faire. Ah, attends. Hein. Je suis perdu. Ah.
Ah, il y a peut-être un truc à ce moment-là à faire avec le miroir. Vas-y, Simon, tu balances ça là. Tu peux relâcher ou pas? Pas du tout. Sûrement que je balance ma hache dessus. Voilà. Ensuite. Ah, attends, nier. Ouais, c'est bon. Je suis Drover. Elle est passée, elle. Je sais pas. Oh, purée. Juste cette lame là, non? Putain, putain. Mais il me barre le chemin lui aussi. Allez. Putain, on met des coups. C'est bon. Une belle décapitation. Pour un morne, il était anormalement rendu. Les nains auront du mal à reconquérir ces galeries. Je suis assez d'accord. Nous devons ouvrir au moins l'une de ces portes. Ouais. Encore une énigme. Je déteste les énigmes. En plus, ça a encore des trucs bien farfelus là. Cela a comme un air de déjà vu, mon frère. Tu trouves? Ah ouais, attends. C'est pas encore l'histoire de ça là? Non. Si je fais ça. Non, ça change rien. Alors peut-être ça. Là, y a pas d'eau. Tu es dernier fou. Là, j'ai bloqué ça ici. Peut-être que je bloque ce côté. Non. Ce côté-là. Bi. Ça a marché. Nice. On y va? Opinion. Est-ce pour cela que tu as souhaité cette alliance? Attends-tu de moi que je mène tes armées lors du Ragnarok? C'est à Tyr de le faire, pas à moi. Tyr n'a plus rien d'un dieu de la guerre. C'est évident. Moi non plus. Cette vie appartient au passé. Pas la partie qui consiste à tuer des dieux. Sinon, que faisons-nous dans ce royaume? Forger cette arme, c'est ton choix. Et tu sais où il pourrait nous mener. Je ne fais que protéger. Je sais. Je sais. Et tu sais comme moi ce que la protection d'un enfant peut nous amener à faire. Putain, mais. C'est un truc de fou, ça. Évidemment. Oh, c'est un truc de fou. Bon, tu sais quoi? Je pense qu'on va se laisser là, hein. Ouais, il y a encore des belles galeries. Donc sur ce, je vous dis à très très bientôt. Espérons qu'on sort de là la prochaine fois. Allez, à plus. N'hésite pas à t'abonner, hein. Surtout, ça donne de la force. Ciao, ciao.